Aujourd'hui, bon, alors les défis ils sont très importants dans toutes les forêts du monde, d'une manière générale. Mais ce que j'ai relevé ici, c'est qu'effectivement, la forêt a reculé quand même un peu. Alors c'est pas aussi caricatural que dans certaines régions autour d'Afrique occidentale, mais il faut quand même être très vigilant. Donc il y a tout un ensemble de situations administratives, réglementaires, comportementales, des habitudes culturelles, etc., qu'il faut réviser pour que ces forêts soient protégées durablement. Et je le redis, c'est de l'intérêt de toute la planète. On a parlé de la définition de la compétence sur telle ou telle parcelle. Donc mes collaborateurs ont parlé de définition réglementaire de la délimitation des espaces. Moi, je suis un peu plus souple à la lumière de ce que j'ai entendu, en particulier ce matin, ou les essais qui ont été très, très, très intéressants sur d'autres territoires. Peu importe peut-être la méthode, mais que la définition des espaces, des attributions de chacun sur ces espaces, c'est sans doute ça l'urgence, oui.